Ça va. Alors, ah c'est pas d'aujourd'hui, il a pété de la gueule avant. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle est pété. Oh oh. Elle est cousine, elle est copine avec ma fille. Elle est venue manger chez ma fille, là, elle n'a pas trop parlé. Ouais, c'était son cousin. Elle n'a pas trop parlé, alors c'est pour eux. Merci. Qu'est-ce que tu veux du sucre? C'est rien. Il m'est marqué qu'il ne faut pas. J'ai pris des petits gâteaux que j'ai fait à la noix de coco. Oh, c'est bon café. Ouais. Ah, j'ai mis la... Merci. J'ai vu sur internet, je ne savais pas, il y a un magasin de pâtisserie. Ici, dans cette chambre-là. Oui. Je ne l'ai pas vu. Bah oui. Juste quand tu sors ici et que tu vas à la place, il est juste là. Non, la rue, c'est des Portugais. Les chocolats, il est. Avant d'arriver au marché Coubert, avant d'arriver au photographe, sur la droite. Là. Ah, sur la droite. Oui. Je regarde vraiment. Dans cette rue, sur la droite. Je lui dis, je vais le dire à Mine, donc tiens. Ouais, quand c'est joué, je vais l'Espagne et puis le Portugal, c'est pareil. T'as vu, pas comme nous en France, on est taxés. Ils vous ont enlevé tout ce qui est sur alimentaire. Ouais, j'ai pas vu. Ça va pas, ça, pour augmenter. Tandis que nous, je suis par terre, Marie-Claude. Elle m'a dit qu'il va faire, elle va avoir de l'inflation jusqu'au mois de juillet. Tu rigoles, ils ont l'air de dire qu'on est parti pour plus d'un an comme ça. Mais c'est pas à cause de la guerre, hein, c'est fou. Non, hein. Bien sûr. T'as écouté hier? Ah non, 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 mais non, 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 plus, hein. Non, non, j'ai couché. J'ai pas fait. Non, je suis là, de toute façon, je m'en couche. Moi, j'étais en train de jouer un petit peu à l'ordinateur. Pour moi, il parle pas de retraite. Hein. Je parle de trucs, machin, il mélange tout. Moi, la politique, j'écoute plus, ça me dérange. Ça me stupe. Tu fais quoi? Tu fais? Oula. Pourquoi faire? Regardez, tu vois. Tu mets pas ça sur internet. Non. Non, l'Ukraine elle a bon dos. C'est ça prétexte, c'est pour ça prétexte. Parce que franchement, il n'y a pas grand chose, hein. Les retraites, tout ça, ils pensent pas au moins. Ah ouais, c'est bien. 64 ans, pour ceux qui ont des pays. Oui, non, ça commence. Elle bouge pas. Non. Donc va, elle vient de démarrer. Ils ont augmenté certaines personnes, comme je dis, mais nous, non, nous, on est dans les petits coins, là, c'est perdu, voilà. Façon, on a peut-être augmenté 2 euros, si ça vaut des cartes, 2 euros. Oh, non, je n'en mets pas, parce que bah nous, on suit bien les comptes. Il fait des déménagements. Annie, elle dit, tais-toi, je crois. Brandon, il dit
dit que peut-être que c'est moins cher avec lui. Il dit que lui, elle a fini, ça fait presque un an. C'est moins cher, parce que là, à partir de 8 000 euros, le moins cher, 12 000 le déménagement. Ben, toute la France entière. Ah oui, bah ouais. Alors après, il faut qu'ils reviennent. Alors maman, il faut qu'ils se démerdent avec des choses. Ma fille, elle a déménagé de Cambrai l'année dernière, elle a fait des vis à Rigny-Béziers. Le monsieur, encore, c'était pas un grand camion, hein. C'était vraiment le, elle a pris le nécessaire de chez elle. Qui c'est qui 1200 euros. Ah ouais, elle s'est fermée la porte. Ah, regarde si c'est fermé. Elle va régir, hein. Plus le péage qu'elle a payé et l'essence. Donc on est un électricien. C'était un ami ou quoi? Non, c'est un monsieur qui fait sur internet, des trucs comme ça. Ah, mais privé. Ouais, voilà. Ma fille, elle a fait un déménagement comme ça. Ben, mais c'est pareil, hein. C'est... Enfin, il a une petite entreprise, mais il fait tout, hein. Débarrasser, déménagement, tout ce que tu veux, quoi. Quelqu'un que tu connais? Ben, c'est le frère de mon jardinier. Ah, oui, d'accord. Ils sont courageux, ces gamins-là. Parce que, bon, avec le jardinier, il connaît rien, mais bon, il aide quand même. Et son frère, donc, il fait ça. Il est jardinier, mais il n'y connaît rien. Ouais. Il fait tout, jardinier, aide à la personne, tout ce que tu veux. Ah, mais c'est vrai qu'ils ne s'y connaissent pas. C'est vrai. Au début. Même la coupée encore. T'as vu? Ouais. Elle a coupé. Elle n'avait pas vu. Elle a déjà coupé complètement. Ouais. Oh, oh, ouais. Et Rosine. Il te demande. Il est déclaré. Mais ça n'existe plus le truc de SMS, là. Tu sais qu'il y avait avant le... Ouais, mais ils sont pas mieux, et puis... Ça existe, mais ça ne peut plus exister. Je pense pas. Ouais. Une fois, on avait demandé à un mec, il n'arrivait même pas à soulever la massue. Ouais, moi, j'ai... Moi, j'ai quelqu'un qui fait l'aide... Et moi, alors... Ah, la chance. Elle... Il est micro-entreprise. Moi j'en ai un écho d'œuvre si tu as besoin. Ouais, mais il a remplacé l'autre, il en avait un autre. Oui, j'en avais un frère, j'en ai dit. Pour celui-là, il a remplacé. Je pensais que c'était le même, moi. Mais moi j'ai non, c'est toi qui payes. Moi j'en ai un qui ne me plaisait pas du tout. Bon attends, quand tu payes, je suis. Bah oui, ça me faisait mal au cœur. Ouais, mais. Annie, si c'est pas fait comme tu veux. Bon, maintenant, je vais aller, puis je vais montrer. Ah, ouais, quand tu payes, il faut. Mais oui, mais il me fait mal au cœur. Les courageux, quand même, quand je vois certains qui vont avec qui ont les RSA ou qui font rien du tout. Lui, il travaille, il fait tout ce qu'il peut pour travailler. Ah, bah, ça, il y a de pas en parlant de ça, il y a de pas encore parlé, un petit connard, de toute façon. Les RSA, hein, ça fait plus de 2 ans qu'il dit qu'il va les faire travailler. Ouais, et là, ils profitent bien du système. Je suis d'accord avec toi. Ben, ça, c'est sûr. Et ils sont augmentés 4 fois sur l'année, à rien foutre. Ouais. Ils ont la CMU, sont 6, ils ont par 6, ils ont par 9, et puis tout, ils gagnent tout. Plus qu'à travailler. Moi, ça fait depuis le mois d'octobre que je demande de l'APL, et finalement, on n'a pas rien du tout. Et pourtant, on ne gagne pas des masses. Hein. On gagne un SMIC à nous deux, nos maris et moi. Hein. Ah oui. Non, j'ai déjà trop mangé. Écoutez-moi bien ce qu'il faudrait faire. Il faut tout bloquer. C'est pas le tout faire grave, il faut tout bloquer l'essence. Il faudrait faire comme mai 68. Mai 68. Moi j'étais petite, mais je l'ai connu. Non, j'avais un ordre, je ne me rappelle pas. Mais... Par contre, je ne suis pas d'accord avec ceux qui font des manifestations et qui vont casser tout. Ce n'est pas eux. C'est des dérangés du cerveau. Non, je ne suis pas d'accord non plus. C'est des dérangés, ce n'est pas des gens normaux qui font ça. Mais il faudrait bloquer tout. Le but, c'est d'empêcher tout. Il y a des gens dans notre pays, ils ont la retraite à 67 ans. Hein. Moi, je connais qui travaillent jusqu'à 70. Mon père et mon mari, il a travaillé jusqu'à 67. Hein. Il y en a plein qui travaillent. Bon, donc, ils vont faire attention quand même, puisqu'on est des métiers très, très, très... Mais, ouais, ça, ils vont, voilà.
tous ceux qui ont commencé très jeunes, ils vont faire attention. Ben, les autres, ben, ils n'ont qu'à travailler. Qu'est-ce qu'ils vont bien travailler dans la... Parce qu'il y en a qui n'auront jamais travaillé, ils auront la retraite. Ah oui, ça c'est vrai. Ouais. Je comprends, ouais. Moi je connais quelqu'un ça, c'est pas bien. De la famille du côté de mon mari, ben, son cousin, qui est sa famille si on veut, quoi, éloigné. Elle n'a jamais travaillé. Eh bien, si je vous dirais qu'elle donne plus que vous. Ah bah ouais, bah je sais, bah, tu comprends. Maintenant, je comprends que les gens ne veulent plus travailler. Mmh. Elle en est pré-retraite ou pas retraite? Elle est en retraite. Sa maman tenait le magasin en ville, à côté de la Bonne Égorge, un truc de porcelaine, tout ça qu'il y avait une rangée. Là. Après, sa maman, elle n'était jamais déclarée. Elle n'a jamais travaillé. Ben, bah, 1100 balles par mois, hein. Ah, comment c'est possible? Ah ouais, bah, il y a quelqu'un aussi, tu ne vas pas le monde, mais une personne, pareil aussi, sans avoir travaillé. Mais moi, c'est 720 euros de retraite par mois. Je veux dire, c'est plus les gens, je comprends qu'ils ne veulent plus travailler. Ils sont plus payés à rien faire de travailler. Ils ont raison, quelque part. Mais les assistantes sociales, c'est ça qu'elles foutent, la merde. Elles disent, mais vous devriez rester chez vous parce que vous gagnez un plus. Ah, ça a l'air d'un petit boulot, eux, en attendant. Hein. Bah ouais, tu l'écoutes. Ils t'assistent, entre parenthèses, quand ils t'assistent, quand ils font quelque chose pour toi. Parce qu'il y en a que tu ne les vois jamais. Mais en fait, c'est pas une bonne chose. Non, je suis pas. Ah ouais, oui, bien sûr, il faut travailler ça, c'est normal qu'il faut travailler. Hein. Mais quand on voit des pauvres retraités, moi je regarde les informations, puis j'entends assez souvent sur Internet, bon après, c'est bien les réseaux sociaux, je vais toujours écouter. Mais quand on voit, et ça, j'ai déjà vu mes propres yeux, Aldi. Aldi, voir des vieux faire les poubelles. Ah, voilà. Je l'ai vu. J'ai même dit à mon mari, j'ai dit, regarde. J'ai les deux petits vieux là-bas. Ils étaient en train de récupérer les légumes qui ne sont pas trop abîmés, les fruits. Mm-hmm. J'ai vu mes propres. Tu te rappelles, Brigitte, t'as fait ça. Tu n'as pas connu, toi aussi. C'est vrai, c'est tout mal. Tu n'as pas connu. Non, je n'ai pas connu. Non, je ne sais pas si ça existe encore. Les amis, il y en a pas qui le font aussi. Ici, le samedi, je parie qu'il y en a qui le font aussi. Quand on marche, ils sont en bas. Comment que je cours une fois par mois? Je sais pas que c'est qui ça, il y a des légumes à nous. Ouais, c'est pas oui, bon. J'ai vu. C'est bien ça. Véronique c'est derrière Aldi. Et puis. C'était posté sur Internet. Ouais. Je l'ai vu. C'est bien, c'est un euro, parce qu'il faut les manger tout de suite, les légumes, tout ça. Mais c'est bien. Là, ouais. Ils le font toujours. À l'avenue de Paris, 2-3 fois par semaine, au matin, ils le font. Ah bon? Ils mettent des caissettes, des petites, des grandes, c'est comme tu tombes. Moi, je suis déjà. Lidl. Et à Manière, ah ouais. La dame qui est sa fille s'était renversée en 2017, rue Saint-Ricardo, qu'on a joué à la personne. Ben, la maman là, c'est pareil, elle vend des légumes aussi. Ah bon? Elle vend des laitues, des carottes, des courgettes, des poireaux. Et le problème, c'est que tu as des gens qui achètent, et tu as des gens, moi j'ai connu des familles, ben, ils n'achètent jamais de légumes parce qu'il faut les faire. C'est pas pareil. Moi, je préfère les faire, mais en ce moment, oui, ouais. Oui, mais il y en a dans les... J'ai fait une soupe, j'ai fait que des légumes frais, une soupe mais avec plein de légumes frais. J'ai fait des pommes de terre à midi, mais un chou-fleur, il faut l'éplucher, il faut laver. Bah moi, ce que je prends... Il y en a plein de comme ça. Bien sûr, j'ai regardé Intermarché, 3,99 à chou-fleur. Alors, c'est ça. Bah, Lidl, il était à 60. Par contre, je peux chercher mes fruits et mes légumes, là, Lidl. Moi aussi. Et quand c'est trop cher, bah, je prends surgelé. Et maintenant, je prends surgelé pour la soupe. Les poireaux, les carottes surgelées. Avant, Lidl, je prenais les sachets de chou de Bruxelles. C'était 49 centimes. Le jour, je regardais un tiers, 3,99. Bah, j'avais pris en boîte, on n'aime pas, ça nous remonte. Non, ouais, c'est pas réel, il faut pas acheter. Alors du coup, je vais acheter surgelé. Non, que je les prends surgelé. Mais la vie, tu viens que la brise, ça me remonte. Les boîtes, il faut pas. Et les épinards, je peux pas les encaisser. Je peux pas encaisser les épinards. Ben, l'autre fois, François m'avait ramené des épinards frais du jardin. Ah, peut-être que ça, je mangerai. Mais oui, c'était bon. Hein. Mm-hmm. Ouais. Les frais comme ça du jardin, c'est bon. Ah, ça quand je vois l'aspect, quand je vois la boîte de conserve, je vois l'aspect, j'ai pas envie de manger. Moi, ça, j'achète que du congelé et du congelé en poche, pas autrement. Ouais, ils sont bien. Ouais, alors, avec lui, souvent, il y a des gros sachets avec des goûts. Ouais, là, ils sont bien. Parce que ouais, j'en achète tout le temps. Moi, j'ai ouais. Des épinards rochers à la crème. Non, des la crème, 3 euros. Tu me rappelles l'école. Ça, on peut le chuter. Vous avez mis sur l'école. L'école, on a des conserves. Et après la guerre, on a. Oui, les légumes et les fruits sont chers à Intermarché. Ouais. Oh ouais. Quand tu vois les oranges, les clémentines, les...
Moi, un match, j'y vais et je regarde toutes les semaines un légume pas cher. La dernière fois, c'était les clémentines. Ah, oui. Une fois, c'était les oranges. Une fois, c'était... Oui, ouais, voilà comme à Auchan, ils font les fruits à moins d'un euro. Mais c'est quoi? C'est les bananes, les oranges, non, des pommes. Moi, ça dépend. La dernière fois, je te dis, c'était les clémentines. Tu voulais, au lieu de prendre des oranges, tu voulais des clémentines. Comme moi, les patates, je les prends à Ruda, qui est à la tire avec le fermier. Là. Ça, 10 kilos, 6 euros, les biches. Qu'est-ce que je ferais, moi, avec 10 kilos? Déjà, avec 2 kilos, 500, je ne sais pas quoi en faire. J'en mange pas beaucoup, peut-être pratiquement pas. Sauf quand les enfants ils viennent, on fait des frites. Ah oui, bah là, je les ai... sinon jamais je mange. Là, je les ai mis dans une grande caisse couverte d'un vieux chiffon. Ouais, parce qu'ils vont regarder. Hein. Ouais, puis je les ai mis sur mon balcon, sous l'armoire. Là. Ouais, c'est ça, quoi. Bon, ben, avec ta base, le vieil dur, hein, comme on dit. Hein. Faut faire attention à tout, faut éviter de jeter. Sur ta tête pas aussi. Les magasins sont toujours pleins. Les pour partir en vacances. Oui, mais comme mon garçon m'a déjà dit, maman, tu sais, il y aura toujours des pauvres, il y aura toujours des riches. Ah ouais. Ta tête, il y aura toujours des gens pour partir. Ouais, tu te plains partout. Ah ouais. Ta tête, je ne pas souvent. Mais toujours, regarde-moi, les familles XXL, là, soi-disant. Ah oui. Les Arabes, là. La femme, elle est femme de ménage, et le mari, il n'est pas mieux, comme ça. Et il se paye des vacances, il se paye. Mais ils ont mis une salle pour faire sur ses 40 ans. Et pour... Mais je dis, où ils trouvent tout cet argent? Ça, je ne sais pas. Je ne sais pas, bah, ils touchent au bled, ils touchent en France. Non, mais ils travaillent ici. Ils ont une belle maison. Oui, mais des fois, ils ont des enfants au bled, ils touchent le bled et ils touchent en France. Hein. Ils ont une belle maison, et ensuite avec une piscine. Il y a quelque chose à faire? Non, il n'y a rien. Il faut laisser ouvert. Non.